Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo de débunkage de l'univers de Diablo. Alors je vais en profiter du coup pour rappeler un petit peu le concept hein, pour ceux qui découvriraient la chaîne et notamment les débunkages. Le principe c'est justement de prendre une thématique, un sujet qui est souvent un sujet à idées reçues et à on va dire mauvaise interprétation ou mauvaise compréhension tout simplement, et on va revenir un peu dessus mais moins de manière moins détaillée je dirais que d'autres grandes vidéos. Après il y a des vidéos de débunkage qui ont été très longues, hein, je le conçois tout à fait. En tout cas aujourd'hui comme vous le voyez, le sujet du jour ce sont les c'est les Néphalem. Donc les Néphalem c'est mine de rien tout le monde a déjà entendu un petit peu parler de ce terme, mais au final, c'est vrai qu'il est souvent mal compris. Mal compris ou alors compris, mais avec pas mal de parts d'ombre et pas mal d'idées reçues qui viennent dans son sillage. Donc on va essayer de rendre cela plus clair dans cette vidéo, justement, ça va être la tâche d'aujourd'hui. Donc un petit rappel d'ailleurs, parce que c'est vrai qu'on a tendance à... Les Néphalem, c'est parfois aussi appelé les Néphilim. Néphilim, bah, c'est l'inspiration biblique, tout ça, tout ça. Mais dans Diablo 2, par exemple, à un moment donné, le mot Néphilim est prononcé. Donc revenons un petit peu justement sur ce que sont les Néphalem et quel fut le moment dans l'histoire de Diablo. Je rappelle qu'il y aura bien sûr des vidéos de Diablo. Il y a toute la playlist Diablo qui sera dans les pièces... je dirais jointe, que ce soit dans la description en haut. Mais le principe des Néphalem, donc on entend parler de ce terme pour la première fois, en fait, avec justement la création de Sanctuaire, le monde des humains. Et au final, le terme Néphalem, ce qui est très intéressant, c'est que, à ma grande surprise, il n'était pas présent dans le manuel de Diablo 1, mais il était présent dans le manuel, enfin, il est déjà là dans Diablo 2. Par contre, Inarius, l'un des créateurs des Néphalem, hein, l'ange que vous voyez au milieu, lui est déjà dans le manuel Diablo 1. Donc au final, c'est un terme qui est arrivé avec Diablo 2, dans Lord of Destruction, avec notamment ce qu'on appelle les Anciens, les trois gardiens du mont Areat. Et on va pouvoir revenir un petit peu dessus, justement, puisque c'est vrai qu'il y a pas mal de différents Néphalem. Donc pour que ce soit plus simple pour tout le monde, on va parler de génération de Néphalem. Mais attention, ce terme n'est pas... Alors, le pire, c'est qu'il est aussi utilisé par les devs, parfois, pour que ce soit plus compréhensible, mais... Qu'on soit clair, c'est pas une véritable génération, c'est pas une définition de la génération. Mais pour que ce soit plus clair, un petit peu comme les Chevaliers de la Mort sur Warcraft, je vais parler de génération pour que ce soit vraiment ultra limpide dans vos têtes. Mais attention à pas transformer ça en une autre idée reçue. Donc, on a tout simplement trois types, trois générations de Néphalem, trois grandes générations de Néphalem dans l'histoire de Sanctuaire, dans l'histoire de Diablo. Donc la première génération de Néphalem, la création et la naissance des Néphalem, c'est tout simplement l'union des anges et des démons au service d'Inarius et de Lilith, que vous voyez hein, les deux figures au centre, et les Néphalem, vous les voyez en fait en dessous, puisque ce sont des humains en fait. Ce sont les enfants directs des démons et des anges, qu'on appelle parfois anciens, et quand vous entendez les anciens, par contre, ça fait vraiment écho à la première génération de Néphalem. Et dans les grands noms connus de ces Néphalem, nous avons évidemment Ratma, hein, le créateur de l'ordre des nécromanciens, qui porte d'ailleurs son nom, hein, les prêtres de Ratma. Et au final, eh bien, ce Ratma, lui, il est directement l'enfant direct d'Inarius et de Lilith. Mais nous avons aussi d'autres grands noms qui sont peut-être familiers pour vous. C'est Bulkathos, Bulkathos ou Bulkathos, qui est tout simplement le grand patriarche, je dirais, le premier, le fondateur un petit peu des barbares, hein, de ce qu'on appelle, du peuple que l'on appelle les barbares, les protecteurs, les défenseurs d'Areat et du monde de Sanctuaire dans ces zones-là. Sachant que Bulkathos avait un petit frère, ce petit frère c'est... Alors désolé pour la prononciation si c'est pas bon, mais c'est Fiacla Gehar, ou tout simplement Vassili pour les intimes, hein, parce que c'est un autre nom sous lequel on peut le trouver, qui est le petit frère de Bulkathos, donc qui fait aussi partie de la génération des barbares, sauf que lui, il avait une autre méthode, c'était pas un grand coup d'épée dans la gueule, contrairement à son grand frère Bulkathos, et lui, eh bien tout simplement, est le fondateur de l'ordre des druides, puisque je le rappelle, les druides de Diablo sont tout simplement des barbares, mais qui se sont éloignés un petit peu d'Areat et qui ont une manière de faire un peu différente. On y reviendra un jour dans une vidéo à part. Et c'est tout simplement aussi donc des barbares et qui résident à Skosglen, donc le continent
est plutôt que le continent ouest, là où il y a Areat et les barbares les plus connus. Et nous avons un grand nom parmi ces anciens, il y en a d'autres bien sûr, mais là c'est vraiment les quatre les têtes d'affiche. Nous avons Esu ou Esu, E-S-U, qui est tout simplement la première sorcière humaine de l'histoire. Et d'ailleurs, l'une des grandes guildes magiques lui fait référence. Hein, il s'agit de la guilde de Zanesu. Et Zanesu est tout simplement en hommage d'une Néphalem, Esu. D'ailleurs, c'est la seule femme de cette liste. Donc, cette première génération qu'on appelle les anciens, donc il y a la première, là pour le coup, dans la première génération, il va y avoir plusieurs générations de Néphalem, de véritables générations de Néphalem, selon la définition de génération, donc des parents qui vont pouvoir faire des enfants, les enfants vont refaire des enfants, etc. Donc il y a plusieurs générations dans cette première génération de Néphalem, qui vont tout simplement bâtir les premières civilisations humaines, même si à l'époque c'est un anachronisme, on ne parle pas d'humanité, et ils vont tout simplement conquérir le monde, puisque Sanctuaire vient d'être créé par Inarius, Lilith et leurs partisans, donc leurs enfants, les Néphalem, vont repousser les frontières connues, partir à la conquête du monde, et vont tout simplement former les différents royaumes, comme je le disais un petit peu avant, les barbares par exemple autour d'Areat et de Skosglen, également Skovos, on sait que Skovos a été fondé par un Néphalem notamment, et ensuite avec d'autres générations de Néphalem, mais c'est également le cas, on a des traces d'anciens royaumes, d'anciens empires Néphalem, par exemple dans tout ce qui est Westmarch Kandouras, dans les profondeurs de Westmarch Kandouras. À l'époque c'était probablement la surface, mais ensuite avec les millénaires, c'est devenu des grottes. Au final, on a aussi également des traces du Kyrgyzstan, puisque c'est là qu'on va découvrir, c'est là que l'humanité plus tard découvrira des anciennes ruines, etc. Et notamment la lecture, tout ce qui est lecture, magie, etc. Et c'est grâce aux ruines Néphalem qu'ils vont pouvoir se développer et que le Kyrgyzstan sera la première grande puissance humaine de Sanctuaire. Après, il est possible qu'il y en ait d'autres. Par exemple, pourquoi pas les adeptes de Ratma aussi avec la forteresse des nécromanciens, mais ça c'est une théorie, on n'en sait rien. Mais il y a probablement d'autres traces de royaume Néphalem ailleurs, évidemment. Là je vous ai donné les grands endroits. Nous avons donc le pouvoir de ces Néphalem qui est intrinsèquement lié au pouvoir de la Pierre Monde. La Pierre Monde, c'est tout simplement cette immense relique qui a permis à Inarius et Lilith, les anges et démons, qui ont choisi de s'exiler de l'éternel conflit, la guerre entre les anges et les démons, pour bâtir Sanctuaire. Et au final, cette pierre monde est intrinsèquement liée au pouvoir des Néphalem, puisque Inarius et Lilith se sont servis aussi de la pierre monde pour pouvoir bâtir tout ça. Donc, à un moment donné, Inarius, étant très très terrifié par le pouvoir que ses enfants abritent, il va faire le choix tout simplement de les nerf. C'est-à-dire de réduire leur puissance, réduire parce qu'il a peur que justement les anges et les démons découvrent l'existence et l'histoire des Néphalem et qu'ils puissent tous être tués dans un retour de flamme. Donc il va justement réduire la puissance des Néphalem, ce qui va se sentir de manière directe, mais aussi et surtout de génération en génération, les Néphalem vont devenir de moins en moins puissants. Et Lilith, elle, sera pas d'accord. On le rappellera, je ferai une vidéo spéciale Lilith. J'avais prévu à la base de faire Lilith et les Néphalem. Je l'ai coupé en deux. Les Néphalem, justement, qui sont aussi les enfants de Lilith. Lilith n'est pas d'accord. Elle veut utiliser le pouvoir, le potentiel que représentent les Néphalem dans sa guerre contre les anges et les démons. Donc Lilith va être dégagée par Inarius. Mais des milliers d'années plus tard, lors de l'événement que l'on appelle la guerre du péché. J'ai fait une vidéo sur le sujet, bien entendu, mais la guerre du péché, c'est tout simplement des milliers, on ne sait pas exactement d'ailleurs combien de temps, mais c'est probablement au moins des milliers d'années, voire des dizaines de milliers d'années, voire peut-être même encore plus, des centaines de milliers d'années, voire des millions d'années, on ne sait pas trop là-dessus. Je dirais plus des dizaines de milliers d'années quand même, pour être plus safe, mais du coup, parce que la chronologie commence vraiment avec l'humanité, mais au final, les Néphalem, de génération en génération, vont voir leur potentiel, leur espérance de vie, etc., réduite, et au final, leur force est également réduite,
Ce qui fait que là, on va pouvoir parler d'être humain. Le terme Néphalem ou Néphilim disparaît petit à petit et ce devient des humains normaux, tout simplement. Et donc, eh bien, à un moment donné, Lilith, qui avait été bannie dans un combat contre Inarius, Lilith va revenir des milliers d'années après et va se servir de la pierre monde justement pendant la guerre du péché, les événements autour de la guerre du péché, pour pouvoir, eh bien, réaffirmer le pouvoir des Néphalem. C'est là qu'apparaît la deuxième génération, ce qu'on appelle la deuxième génération des Néphalem, hein, pendant la guerre du péché. Et la tête d'affiche de la première génération était Ratma. La tête d'affiche de cette seconde génération, enfin cette deuxième génération, c'est tout simplement Uldician, Uldician, Uldiomède, ou Uldician, Uldiomède, vous prononcez comme vous voulez. Et ses partisans qu'on appelle les Edirem. Les Edirem, c'est tout simplement les Néphalem de la deuxième génération, hein, on peut les appeler comme ça aussi, puisque ce sont les partisans d'Uldician. Et suite au sacrifice d'Uldician, les anges et les démons, hein, je vous raccourcis tout ça, il y a vraiment une vidéo sur la guerre du péché que je vous invite à aller voir. Tout simplement, nous avons eh bien, les anges et les démons qui sont bannis de sanctuaire. Et au final, eh bien, Uldician, en se sacrifiant, va également faire une petite retouche sur la pierre monde, comme Inarius l'avait fait avant lui, parce que même si c'était son ennemi, hein, là on voit justement le combat Uldician contre Inarius, Inarius, malgré tout, eh bien, avait une partie de vrai, on va dire, puisqu'il a peur aussi, il se rend compte lui-même du pouvoir qu'il a, et il pourrait tomber entre de mauvaises mains, et donc eh bien, il a choisi de sacrifier le pouvoir des Edirem, pour justement, eh bien, en gros, juste faire en sorte que Sanctuaire soit tranquille et que l'humanité ne se fasse pas vaporiser, soit ne s'autodétruise pas, soit ne soit pas détruit par les autres. Le sacrifice d'Uldician va d'ailleurs changer finalement la vision que les anges ont de Sanctuaire et vont finalement faire le choix d'épargner Sanctuaire et de promulguer les lois justement qui encadrent un petit peu Sanctuaire vis-à-vis des démons. Donc, au final, Uldician va nerf et mettre fin en fait à la deuxième génération de Néphalem. La deuxième génération de Néphalem, pour le coup, elle, c'est une véritable génération dans tous les sens du terme, puisque bah, elle arrive avec les Edirem, elle arrive avec Uldician et ses partisans, et elle disparaît aussitôt. Donc on revient après avec des êtres humains normaux. 3000 ans plus tard, à peu près 3000 ans plus tard, suite aux événements de Diablo 2, hein, suite aux événements de Diablo 2 Lord of Destruction, d'ailleurs je devrais le préciser, eh bien la pierre monde va être détruite par Tyrael, hein, à cause de Baal qui avait complètement corrompu la pierre monde pour justement de faire en sorte qu'il n'y ait que le potentiel démoniaque qui revienne chez les humains et que derrière eh bien Sanctuaire soit tout simplement un nouveau monde démoniaque. Eh bien Tyrael va essayer de mettre fin à cela et il va se sacrifier pour détruire la pierre monde, ce qui fait que les conséquences de la pierre monde sont légèrement incontrôlées, hein, c'est un euphémisme, et au final, eh bien, nous allons avoir tout simplement le retour du potentiel Néphalem chez certains humains, pas chez tous les humains, chez seulement certains humains, et apparaît de manière assez aléatoire au final, et tous les aventuriers de Diablo 3 sont des Néphalem, pas ceux du 2, Diablo Immortal, c'est pas encore totalement confirmé, mais c'est quasiment fait, hein. Je veux dire, on les a, il y a plein de trucs sur les Néphalem et tout, donc Diablo Immortal, il semblerait aussi que ce soit des Néphalem, mais en tout cas, les aventuriers de Diablo 3, hein, Sonia, Karazim, Nazibo, Vala, Liming, sont des Néphalem. Et je préfère le redire, ceux de Diablo 2 ne sont pas des Néphalem, sauf, bien sûr, le barbare, il y a de très grandes chances que le barbare Diablo 2 et Diablo 3 soient le même, donc à ce moment-là, effectivement, et s'appellerait probablement Kaer, et eh bien le barbare du coup à ce moment-là serait un Néphalem, mais globalement tous les aventuriers de Diablo 2 ne sont pas des Néphalem, notamment bah, l'Amazone et le Nécromancien, donc Cassia Exul le confirme, et d'ailleurs ont un peu de mépris à l'égard des autres aventuriers, notamment les Néphalem de Diablo 3, mais du coup, c'est bien, il faut bien garder ça à l'esprit, et vous allez me dire, bah oui mais du coup, les aventuriers de Diablo 2, est-ce qu'ils ont quand même un pouvoir Néphalem? En fait ça veut pas dire... La définition de Néphalem ne veut pas dire qu'un humain normal est une grosse merde. Ça veut juste dire un humain normal a accès à la magie, etc., etc. Maintenant, effectivement, le moment où un être humain normal doué de très grands pouvoirs déverrouille le côté Néphalem, son potentiel Néphalem, ça, c'est vrai qu'à l'heure actuelle, on n'a pas de définition pure. C'est une sorte de mode Super Saiyan, en fait. Mais
un néphalème normal peut, enfin un humain normal, pardonnez-moi, peut justement être extrêmement puissant et acquérir acquérir un niveau incroyable et pourrait même battre certains néphalèmes. Maintenant, c'est vrai que le potentiel néphalème est très très haut. En tout cas, on a vu notamment le cas avec, c'est le cas avec Uldissian. Et la question qui arrive évidemment et qu'on doit se poser, c'est l'avenir des Néphalem. Alors je ne connais pas l'avenir bien sûr de la licence Diablo, mais Diablo 4 tournant autour de Lilith, hein, en figure de proue de Diablo 4 du quatrième opus, l'avenir des Néphalem est intrinsèquement lié, on l'avait dit, à la Pierre Monde, mais aussi à ses créateurs, à savoir Inarius et Lilith. Donc forcément, Lilith étant enfin de la partie pour Diablo 4, il y a eu beaucoup de questions, dont les miennes à la BlizzCon 2019, où on se demandait que va-t-il se passer, est-ce que les Néphalem, est-ce qu'ils sont là, est-ce qu'ils sont de retour, et à chaque fois c'était grand secret, on ne sait pas ce qui se passe. On nous a dit qu'il y aurait des explications concernant les Néphalem, concernant le Néphalem Diablo 3, etc. Donc j'attends de voir, à voir ce qui va se passer, mais encore une fois, l'histoire des Néphalem est intrinsèquement liée à Lilith, donc... Et Inarius, on l'a vu vite fait, on sait qu'il y a 2-3 trucs vis-à-vis d'Inarius aussi dans Diablo 4, sans spoil ou quoi que ce soit, d'ailleurs je connais pas tout et j'essaye de rester hors des spoils. Donc en vrai, Lilith Inarius étant de retour, forcément on se dit que les Néphalem auront une place. D'un autre côté, on sait qu'avec Diablo 4, ils veulent revenir un peu plus à du Diablo 2 et pas une course à l'épique telle que les Néphalem pouvaient le proposer dans Diablo 3, donc... Peut-être qu'en fait les personnages que l'on jouera ne seront pas des Néphalem, mais peut-être que les Néphalem seront des ennemis, par contre, des aventuriers. Ça pourrait tout à fait en plus coller dans la même veine que Diablo 2, où on affrontait les anciens aventuriers de Diablo 1. Peut-être que Diablo 4 ira là-dedans. Et peut-être que, pourquoi pas, alors encore une fois, là on est dans la théorie personnelle, je lève des hypothèses, peut-être que en fait la personne, en tout cas l'espèce de prêtre un peu, enfin c'est pas un prêtre, mais le mec qui libère Lilith dans la cinématique de Diablo 4, c'est peut-être justement un Néphalem en fait, hein. D'où le fait aussi qu'il appelle Lilith sa mère, puisque c'est la mère des Néphalem à la base, tout ça. Après c'est la mère de l'humanité en général, attention à pas non plus partir trop vite, trop loin, mais voilà, peut-être que ça fait partie des Néphalem, peut-être que c'était aussi un des personnages de Diablo 3 qui a très très mal tourné. On sait pas, mais clairement, qui dit Lilith dit probablement Néphalem. Ce serait très étonnant de voir les Néphalem être complètement absents de Diablo 4 et même ne pas être évoqués en fait. Ce serait quand même très 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 étonnant. Mais bon, l'avenir nous le dira. En tout cas, j'espère que cette vidéo aura été suffisamment claire pour vous. Trois grandes générations de Néphalem. La première avec la création de sanctuaires sous l'égide d'Inarius et Lilith en enfant direct. Des démons et des anges qui forment ce qu'on appelle les anciens, avec les différentes successions de Néphalem de la première génération. Les Néphalem de deuxième génération, c'est Uldissian et ses petits copains, les Edirem pendant la guerre du péché. Ensuite, il n'y en a plus. Et troisième génération, c'est tout simplement très récent dans l'histoire de Diablo, à savoir les personnages de Diablo 3 et d'après Diablo 2, Lord of Destruction, avec l'explosion de la pierre monde. Donc peut-être que dans Diablo 4 aussi, on jouera des Néphalem, c'est tout à fait possible. Voilà, j'espère que cette vidéo aura été suffisamment claire, c'était le but. N'hésitez pas si vous avez encore des questions, des observations ou dans les commentaires, je serais ravi de pouvoir discuter avec vous. Plein de bisous, n'hésitez pas encore une fois, à poser vos questions ou autres. Il y a toute la playlist Diablo aussi qui est disponible si jamais vous voulez voir plus de choses. Normalement, les prochaines vidéos qui arriveront sur Diablo, ce sera Lilith, notamment Lilith, et enfin, quand j'aurai fini Diablo Immortal, Sonia et les barbares, je sais, il serait temps. Voilà, plein de bisous, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo, à plus dans Sanctuaire. Salut, c'est Bal. Alors, j'ai été la cible de beaucoup de calomnies dans cette vidéo. Mon objectif était avant tout l'amusement général, bien sûr. C'est pour ça que je suis monté en haut d'une montagne. J'ai fait péter un mec devant une porte aussi. Ça a fait rire toute mon armée, en tout cas. Donc voilà, n'hésitez pas à lâcher le petit like, le petit abonnement. Un bisou !